Si ma maponomie à 2023, Nini Penza opposition Zaliko Kanisa sur lobby Yamboka Congo, topé gestion Yamboka Congo, na mikolomi Zaliko ya, si ma nabango ko zoate ou ezali bon na maponomi makanisi na bango ezali nini, spécialement face à l'opinion à l'éloto Yambedi Bino Ndeko Rodrigo Ramazani Azali, porte-parole ya parti politique en vol, parti cher Yamon Amboka Deli Sesanga, Ndeko Rodrigo Mbotena. Mbote maman pila, mbote pena ba kongole ba ike ba kolanda biso na ngonga ye. Na koliki ete masolo oyo bo bengi selinga wa to solo la e kosunga ba ndeko na biso bipai biso bazali ba e ba ndenge nini ekolo miko tambola pe nini biso envol to ko banza pona lobi ekolo. Boni sante ya parti politique nao, sima ya maponomi. Sima ya maponomi envol e ko tambola malamu mingi nangonga otoko solola parti en vol na sima ya maponami e bengia ki ba cadre ba candidat pe ba structure non ya parti na kati ya réflexion profonde na kati ya kokotisa makanisi pona koye ba nini singeli total lobby ya parti politique na biso pambate bo biki to utina élection moko chaotique oye debouchaki na coup d'état électoral, oye salié te régime, oye bavanda na bokonti na makasi, nde biso toko maniola makanisi, poto tala lo lenge nini toko bwaka miso mosika pona ekolo na mi na ba ambula weko ya. Boko kisa gisa electoral te, se ke boza na depite ata moko te, avenir politik na mino eza lo lenge kani. Yali boso kolo bake toko kisa gisa electoral te, ezali ko komprendre kontekst politik te oto, sale lima pona mi. Yali boso e foko eba ke envol azali victime. Victime ya chouanaye ou asalaki ya ko soutenir candidat Moïse Katumbi. E pambate yende alaki adversaire challenger ya Ndeko Tshisekedi. E parikoche deli se sanga pe ali victime simplement parce que aboya ki ko soutenir ou tokoloba un candidat président de la République Kasayan. Aboya ki ko soutenir ya soutenir motomosusu nde. Bato bali na bokonzi lelo ba décida ki ko rendre ba compte pona nini na koloba yango parce que na ko konté ba voix ya ba candidat na biso à travers centrale électorale na biso on avait largement dépassé les seuils donc argument wana ya ko soulever qu'on va atteindre seuil te to comprendre na biso ke ba élection OP lolenge tamboleli makamo pe ba seuil ba regroupement ba koloba yango zali kaka en volte. Ils allaient peu bateau bali na kati ya union sacrée, ce qui veut simplement dire to vivre élection te au to vivre ils allaient maman na fraude électorale encore que maillot ya fraude électorale ils allaient qui institutionnaliser l'état a triché pour Félix Tshisekedi. Est-ce que ça politique y a victimisation te est-ce que c'est ça ngaza kasanya liboso boy ko soutenir tata mokambi ko yango na lobia. Oh ya c'est ça les alli cas particulier. Na ebisio ki barande. Mais na ebisio awa que na comptabilité na biso. To constater que tous les cas qui largement seuil et que ceux qui m'a pour nami les cas qui le lengue il singela que ça les n'ont pas simulacre d'élection aujourd'hui. Élection ça mi pendant 7 jours ba cas de fraude au comme on a ministre na machine à voter ba gouverneur na ba machine à voter ba chef ya ba to ya administration à territoire na ba machine à voter ba chef ya ba secteur na ba machine à voter ba ngonyo soto comme on a ndenge ko tambola ba vota ki be pona ba to ya union sacrée ba ngonde ba sala ki na ba machine à voter ce qui veut dire que la fraude était institutionnalisée l'État congolais a fraudé pour Félix Tshisekedi. En 2018, vous avez été, Deli Sesanga a été candidat à l'USA, il a été réélu parce qu'il avait été élu en 2006. Vous avez dénoncé la fraude électorale pour plutôt soutenir la candidature du président Tshisekedi. Vous aviez acclamé son élection. Les élections étaient contestées par Martin Fayulu et les autres. En 2018, les élections s'étaient bien déroulées qu'en 2023. Il n'y avait aucun problème en 2018. C'est la question que je vous pose. En fait, bon, je ne sais pas quelle est la logique de la question, mais je vais quand même y répondre.
nous venons de vivre une élection atypique, une désorganisation inédite, une fraude institutionnalisée, orchestrée, qui a débouché à un coup d'État électoral. Je vous ramène à vos conseils d'opposition qui dénonçaient en 2018 la fraude électorale que vous dénoncez aujourd'hui en 2023. Quelle est la différence entre les élections de 2018 que eux dénonçaient et que vous dénoncez aujourd'hui en 2023? Écoutez, même en 2018, l'Envol n'a pas dit que les élections se sont passées de manière transparente, crédible et apaisée. Le résultat de l'alternance pacifique au pouvoir était un consensus interne de la population qui avait accepté les départs de l'ancien régime. Mais on était tous au courant que ces élections ne s'étaient pas bien organisées. Et l'Envol ne s'est jamais caché pour le dire. Et du reste, pour aller loin, l'Envol a proposé des réformes électorales. Vous vous souviendrez que le quinquennat passé, c'est l'Envol qui a conduit la barque de réformes électorales qui malheureusement a trouvé, qui malheureusement a heurté la mauvaise foi du pouvoir qui a déstructuré ces réformes. Donc, pour dire que les élections n'étant pas bien organisées, qui avaient débouché avec à ce qu'on appelait la vérité des urnes, n'est-ce pas? Et aujourd'hui, notre combat à l'époque, c'était d'améliorer les processus. Mais la meilleure de questions, Dan, c'est de savoir, est-ce que les élections de 2023 sont-elles mieux organisées que de 2018? Je vous dis non. Parce que ici, à la différence d'avant, est que la fraude était organisée et institutionnalisée. Du reste, l'Envol, déjà au mois de juillet 2021, avait lancé une opération Télémela fraude électorale. Parce que tant que politique, toutes les informations qui nous remontaient étaient que le pouvoir en place se préparer à une fraude massive. Nous le dénoncions. Comment vous pouviez accepter les résultats? Vous ne pouviez que contester les résultats. Écoutez, aujourd'hui, vous parlez en vol. Ce n'est pas que, il n'y a pas que l'envol, il n'y a pas que l'opposition qui conteste les résultats. Il y a aussi le parti au pouvoir qui conteste les résultats. Laissez-moi finir. Oui. Ça veut simplement dire, en contestant le processus avant, aujourd'hui, constater que le parti de l'Union sacrée, eux-mêmes, contestent les résultats, jusqu'à dire qu'il y a eu une nomination des élus, il faut plutôt dire que l'envol et ses sangas aviez raison. On avait raison, parce qu'aujourd'hui, ce qui conteste, c'est inédit. C'est la première fois depuis, je crois, 4 cycles des élections que nous avons vécues, que le parti au pouvoir dénonce la fraude. Ça veut dire que cette fraude était institutionnalisée, organisée, où l'État, j'insiste, l'État a triché pour un individu. Vous imaginez que la attrape des fraudeurs sorte la première liste parce qu'elle-même nous a promis une deuxième qui n'est jamais venue, pour des raisons politiques qu'il fallait arrêter. La première liste qui sort, ce sont les mandataires, les ministres qui détenaient la machine à voter. On attrape des fraudeurs, mais on ne considère pas la fraude au niveau de la présidence. On estime que là-bas, tout était ça. Tout s'était mieux passé. C'est un questionnement que chacun de nous doit se poser en termes de crédibilité du processus. C'est une opposition, simulacre d'élection, vol, nion sur ça, il m'a monté, brûlé, urne, et puis bon, bon. Maintenant, il y a un cas qui est bien, il y a un bateau qui est le peuple. Il y a un bateau par exemple, tout le monde n'est pas informateur, tout le monde n'est pas Moïse Katumbi. Il y a quelques députés, il y a une vingtaine d'ailleurs, qui ont siégé dans l'Assemblée nationale. Est-ce que c'est contradictoire? Il y a une opposition au Bandar Oloba Outaka? Non, écoutez, Touti Maponami, je vais rester logique et cohérent. Touti Maponami, Ezali Bongo Nabato Oyo Baponami, peuple Aponaki Bango Peba Zali Nakati ensemble. Mais mingi au bazali na kati ezali Rodrigue Ramazan ite en vol nde a koloba et ali bato ya IDPS et ali bato ya ba partir on peut comme ebele
bah A24 bato ya na mona ki boyamba ki pe bato ba ebisa ki binoka quand même chose mais bazali bato a pouvoir na ko sa aura publicité au parti politique te pona tant kaba ezali bato ya majorité nde ba ko yebisa biso ke eli na bato bazaki na machine ezali na bato on a landa ki secrétaire général ya parti moko ou ya gouverneur atangi nommément le nom des responsables et détenteurs de machine à voter moko ya bilenge ya parti ou ya pouvoir UDPS aleka ki pe na ma média lobi moto tel ala ki na machine ngai moko na yena 2 heures du matin na moni ya ko corrompre ba ko voter le ba voix ce n'est pas Rodrigue Ramazani qui le déclare étant qu'opposant c'est une situation constatée au sein de la société et l'opinion le sait qu'il y a eu une fraude massive. Maintenant face à cette fraude massive pour l'envol à Zako s'est considéré comme un perdant. Pour Nabissot, après ces élections, il n'y a pas eu de vainqueurs et il n'y a pas eu de vaincus. Il y a eu un coup d'État électoral où est imposé régime Oyo n'a pouvoir. Comment savoir les vrais et les faux élus? Parce que vous avez dit qu'il y a certains qui ont été réellement élus, d'autres non. Comment différencier? Comment différencier? Il faut aller sonder la base. Une personnalité comme Matata Tampogno, vous n'allez pas refuser qu'il était le meilleur élu du Maniema. C'était évident parce que nous l'avions tous vu à travers les publications des différentes PV faites par des personnes non colorées. N'est-ce pas? Ça veut simplement dire il y a des élus, effectivement, nous sortons d'une élection. Mais malheureusement, les élus aujourd'hui sont minoritaires. Les nominations ont été faites de manière scandaleuse. Qui a nommé qui? A nommé qui? Eh bien, écoutez, suivez mon regard, allez poser la question à M. Kadima, qui détient cette recette de l'expertise en fraude électorale. Nous, en tant que politiques, nous avons des informations certifiées, et je vous dis ici que si la centrale électorale était suffisamment sérieuse, cette aventure de résultats qu'ils ont sorti en disant que la voile n'a pas atteint le seuil, ne l'aurait pas fait. Parce qu'après nos comptabilités à l'interne, nous avons constaté que nous avons largement dépassé le seuil. Nous, on a fait le choix. Nous avons fait le choix de ne pas, évidemment, aller en contentieux électoral parce que nous le savions déjà. Nous les dénoncions ici sur vos plateaux que la Cour constitutionnelle mise en place avait qu'une seule mission, c'est de valider cette fraude électorale. C'est quoi? De résultats. Vous aviez, Denis Sassang avait dit qu'il ne reconnaîtra que les résultats qui seront publiés par les églises. C'est ce que Denis Sassang avait déclaré. Alors, la publication des églises, est-ce que vous avez été satisfait de ce que les églises ont dit de leur rapport? Eh bien oui, bien sûr que oui. Les églises n'ont jamais dit que Félix Tshisekedi a gagné les élections. Les églises ont dénoncé effectivement de cas de fraude. Il faut lire le rapport préliminaire de la SENCO, les différents rapports que la SENCO ainsi que les cardinals, le responsable, le président de la SENCO et le président de l'ECC ont signé. Ils ont clairement dit qu'il y avait des situations qu'il fallait clarifier. Mais reconnaîtra qu'il y a quand même que ça n'a candidat mon quoi. Candidat en comme on a Félix Tshisekedi. J'ai suivi il n'y a pas longtemps le porte-parole d'Ensemble pour la République qui nous a fait la révélation qu'au premier jour des élections, au premier jour de l'élection, Moïse Katumbi partait premier avec 50% de voix. Sans cause à laissez-moi finir. Ça veut simplement dire cette parole de la plus grande mission d'observation, Moïsenko, n'a nullement dit que celui qui était en tête était Félix Tshisekedi. Mais c'est quand même scandaleux. Ça doit nous gêner. Cette question. Oh, il y a élection et ça les man à niveau fraude. Oh, il y a mon nez, ma casse. Ils allaient question, ils allaient ma cambo opposition. C'est là où beaucoup de gens confondent. C'est une question qui touche à notre démocratie, à la sensibilité de notre démocratie. La question qui déstabilise ce pays depuis des années, c'est la question de l'accession au pouvoir qu'on a tenté de résoudre à travers Santiti. Et évidemment, via la Constitution de 2006. Lorsqu'il y a de telles bévues, cela touche à la fragilité de notre démocratie. Et pas étonnant qu'aujourd'hui, certains Congolais ont perdu leur foi
ont la démocratie et qui choisissent de voies extrêmes pour exprimer leur ras-le-bol, croyant qu'ils pourront, ils peuvent rétablir l'ordre constitutionnel violé et revoir les choses autrement. Chose que nous n'encourageons pas parce que nous estimons en tant que républicains qu'il faudrait garder les caps, protéger notre démocratie qui est fragile et voir l'avenir en plus. Même la Cour constitutionnelle qui s'est prononcée sur les cas des candidats qui ont été débarqués par la CENI, la Cour qui est revenue là-dessus pour dire que la CENI n'avait pas ses prérogatives-là, la Cour qui a accepté la candidature de Moïse Katumbi pour certains, Moïse Katumbi qui menaçait pour dire qu'il ne peut pas être débarqué parce qu'il a... Quand la Cour revient sur le droit chemin, est-ce qu'elle ne mérite-t-elle pas d'être encouragée? Écoutez, je crois que sur le plateau de Mme Naomi, face à un autre débatteur, je le disais, que l'objectif du métier de candidat de l'opposition, c'était pas ça l'objectif, maintenir ou pas. L'objectif, c'était de valider la fraude électorale. Et cette fraude électorale a été validée par la Cour constitutionnelle. Donc, ils ont atteint la mission pour laquelle M. Tshisekedi a violé la Constitution et les lois de la République pour mettre en place cette Cour. Alors, on va avancer toujours dans le cadre électoral. Délice Essanga s'est désisté à la dernière minute pour soutenir Moïse Katumbi, le candidat à l'élection présidentielle, la refondation du Congo, que vous aviez enseigné, que vous aviez professé à travers la tournée qu'il avait faite. Est-ce que, en soutenant Moïse Katumbi, vous aviez soutenu toujours la même philosophie, la même réalité de la refondation du Congo? Le soutien d'abord la refondation du Congo reste une question politique, vous allez suivre avec moi, qui continue à se faire parler au sein de la classe politique. Au sein de la classe politique aujourd'hui, tous sont unanimes qu'il faut refonder le Congo. Nous, à la différence de ceux qui en parlent, nous avons la recette de la refondation du Congo. Parce que vous le savez, parce que vous le dites, donc c'est de notoriété publique. Maintenant, nous étions dans une situation où nous sommes dans une élection à un seul tour et un candidat de l'opposition qui est le plus en vue. Est-ce qu'il fallait ne pas aller donner de la force à l'opposition pour que l'opposition, effectivement, parce que c'était le vœu du peuple congolais, de voir une alternance arriver? Est-ce qu'il fallait se cramponner et faire de l'égoïsme en vue de satisfaire des appétits personnels? Délice Essanga, étant que candidat président de la République, porteur d'une vision, a estimé que Moïse Katumbi, on ne veut pas se le voiler, les élections de 2023 a connu deux challengers majeurs. C'était Moïse Katumbi d'un côté pour l'opposition et de l'autre côté, il y avait Félix Tshisekedi. C'était su au vu et c'était su de tous. Raison pour laquelle Délice Essanga a porté ce choix de Moïse Katumbi. Et c'était un partenariat politique. Nous avions un projet. Nous avions discuté et c'est que nous nous sommes mis d'accord. Et d'ailleurs, parce que moi j'étais à Pretoria, même à Pretoria déjà, tous les candidats, tous les représentants des candidats présidents de la République étaient d'accord sur la question du projet de la réforme. Comment expliquer que ceux qui étaient avec vous, certains dénoncent une tentative de corruption? Non, écoutez, ce sont des bruits de ragots. À un niveau de la vie, pour ceux qui en savent un peu plus, ils savent qu'on ne parle, on ne discute pas en termes de billets de banque sur certaines questions. Et sur cette question-là, ce qui primait, ce n'était pas les billets des banques, c'était un projet pour le Congo. Nous avons mis notre opinion et l'Obama qui que... D'accord. Et l'Obama qui que... Bonsoir Kimbongo, il y a Moïse Katumbi, il y a un peu soutenir. Il y a pas... Quand il y a mon aîné, il y a programme, il y a un peu de soutenir. Il n'y a pas Moïse Katumbi, il y a un peu de soutenir. Bon, il y a un peu de soutenir. Il y a un bien. Le Congolais peut aller gratter sur l'angle. Tant que Délice Essanga soutenait qui Félix Tshisekedi en 2018, Félix Tshisekedi a pensé qu'il y a mon. Non, c'est pas pareil. Nazo il y a c'est pas pareil. Pour la ligne il y a Moïse Katumbi moni mon sol parce qu'à l'époque Délice Essanga zala qui na Moïse Katumbi. Ça aussi il faut rappeler au bakino, ba congolais. Délice Essanga zala qui na Moïse Katumbi parce que beaucoup betera masola mon sol. Délice Essanga zala qui na Moïse Katumbi. Félix Tshisekedi en 2018, je rappelle, c'était le candidat président de la République le plus fauché de tous qui avait moins de moyens. Mais
Délice Sanga a porté son soutien à Félix Tshisekedi. Là, il n'y avait pas une question d'argent. Là, ce n'est pas pareil. Non, il n'y avait quand même pas une question d'argent. Mais intérêt, Zala, qui cause à la voter, n'a qu'à ça, il n'a combo à Félix Tshisekedi. Maintenant, pour à la voter, n'a qu'à ça, il y a lobby, n'a qu'à soutenir Moïse Katoumbi pour pouvoir voter. Non, envers, je veux vraiment pas démontrer la bassesse, il y a raisonnement. Ce n'est pas vous les journalistes. Il y a bateau, bako lobayango. En fait, dans mes raisonnements, là, pour ne pas comprendre qu'ils ont la sensité. C'était une question politique. Tout ça qui en face, Batonion Sobayebi, Moïse Katoumbi, na Félix Tshisekedi. Toko ma troisième élection, tout c'est pelaka tout bon. Tu as dit troisième élection, et c'est mon abus en gros. Or, l'objectif, Yamakambo Yamaponami, ils allaient Kolonga et Bonga. Toke Maponami, tout bande campagne, mais tout monique, n'a mpandu en a président Moïse Katoumbi, Azali n'avant en poupe. Ma opposition, totali koto to monique zakaka Moïse Katoumbi. Tout ça la nini, toi affaiblir opposition. Opinion pe ko bisa biso bo sungande konabino bo pesa ye makasi po bo kende liboso opposition est longue. Nous on a fait ce choix là. Délice Sanga dans la plupart de cas asala ra toujours choix un dépassement de soi. Na ba question politique ebele asala ra atala ra toujours intérêt liboso ya mboka. Asala ra yango et asala ki yango na Moïse Katoumbi. Ce n'est donc ce n'était donc pas une question de professeur Devos Kitoko qui a dénoncé, vous l'aviez suivi, des tentatives d'être acheté au profit d'un candidat. Curieusement, parmi ceux qui étaient à Pretoria, vous le dites, vous étiez sur place, pourquoi eux dénoncent cette tentative et vous dites qu'il n'y avait pas eu cela? Bon, écoutez, je ne sais pas. Moi, ce que je peux vous dire et vous rassurer, moi j'étais à Pretoria, c'est que M. Kitoko a raconté, il a raconté des choses qui lui seul sait. Parce que sur la table de discussion, il n'y avait pas les idées. Quand le représentant des candidats discutait à Pretoria, les idées étaient à côté, les idées à travailler avec les facilitateurs. Je parle de fait, hein, je ne veux vraiment pas entrer dans des questions de polémique. Travailler avec les facilitateurs. Donc, M. Kitoko, il a rencontré ce qu'il avait à rencontrer. Ça n'a aucun sens. Dans le besoin, je crois peut-être que c'était un discours des campagnes. Je parie même qu'il regrette de ça. Le plus important ici, ce n'est pas de rester autour de questions de polémique. Je viens de vous dire que Délice Sanga, en aucun cas, pour le soutien de Moïse Katoumbi, c'était une question de billets de banque. C'était une question de soutien à l'opposition pour apporter l'alternance et le changement pour la vie de nos concitoyens. D'accord. Ça n'a rien à voir avec la question. Koko Malabino, excusez-moi de Kodan, Koko Malabino na lisanga wana. Pour tout le monde, qui ceux qui m'ont désisté, l'obi n'a pas mis Kouti, et pas Moïse Katoumbi, mais Tinelie, Djep, Bakye Kozoye. Tant que Koma qui est ensemble, est-ce que vous avez tant que vous travaillez par le programme Labino Nyonso, tu peux programme Moko et Tikala qui est Moïse Katoumbi? Attendez, Bobo Sanate, tout à qui Pretoria, tout solo là qui, ma solo nyoso wana ezali okotu na kudutu nanga Franklin Tshamala CGA LGD akoyebisayo que évidemment parmi ma question discutée ezala qui mise en commun y'a ma projet politique mise en commun y'a ma projet politique et en aucun cas bato tozaki autour y'a table LGD ensemble pour la République na en vol ainsi que Kulutunabiso Moleka autour de la table, on avait interrompu les discussions. Quand on a fini à Pretoria, en revenant, le lendemain, c'était la campagne électorale. Les candidats présidents ont levé l'option de commencer leur campagne électorale. Mais entre eux, parce que les techniciens au Bakindaki à Pretoria, Bazaki avait comme objectif, il y a Bango, soumettre ma proposition. Moussal et Salemaki, soumettre Bango, Kaneva. Oh, c'est vrai qu'il y a une désignation, il y a un candidat commun. Dans le camp politique, les gens discutaient, les gens se voyaient. Bien que, nous c'est le grand caméra, moi je ne peux pas vous dire combien de fois Dr Mukwege a fait des tours pour voir Délice Sanga, combien de fois Délice Sanga a fait des tours pour voir Dr Mukwege, vice-versa, combien de fois Délice Sanga, Mukwege et consorts ont fait des conférences téléphoniques pour discuter de la question. Ça veut simplement dire que la politique s'est fait aussi de cette manière-là. Le leader en continue de discuter sur le sujet et nous qui prenons la parole en public, on n'a jamais dit que ces discussions sont kataki en haut. Et bien, discussion continue à qui. Même sur la question de mise en commun, il y a un projet. Et pas
parmi les projets au émergeant qui makasi, il y avait la refondation du Congo. Alors, pendant la campagne, M. Moïse Katumbi a fait une partie du pays. Dans ce qu'il déclarait, dans toutes les promesses qu'il faisait, est-ce que ça se trouvait dans votre programme que vous aviez conçu ensemble? Mais il faut plutôt, vous, étant que journaliste, me dire que tel point dans votre programme ne se retrouve pas. Moi, je vous dis que la conquête de la paix, il en a parlé. L'amélioration des conditions sociales, il en a parlé. Nous, on a une planification. La fin de la guerre pendant 6 mois. La planification. Mais écoutez, le président Moïse Katumbi l'a dit. Est-ce que dans la refondation du Congo, on ne parle pas de la reconquête de la paix? On en parle. La planification, c'est la refondation du Congo. La refondation du Congo comme un projet politique est les socles, du devenir de cette République. Je vous le dis, c'est un projet d'avenir. La refondation du Congo va tenir ce pays en haleine encore pendant 5 ans. Parce que nous avons une planification. Nous savons ce que nous voulons faire de ce pays. Moïse Katumbi, dans ses déclarations, aucunement était en contradiction avec ce que nous pensons. Nous ne pouvons pas dire qu'on a appelé la refondation du Congo et ils ont tout avalisé. Il y a des points où vous pouvez être d'accord avec un partenaire, il y a des points où vous n'êtes pas d'accord avec un partenaire. Mais cependant, le plus important est qu'on regardait tous vers la même direction. 1. Trouver l'alternance politique. 2. Faire appliquer l'idée de la refondation du Congo, le projet qu'il y avait. Alors, Matata Pognon, Seth Kikuni ont même déclaré, avant même que la CENI ne puisse publier les résultats, et ont déclaré que Moïse Katumbi avait déjà gagné les élections. Seth Kikuni et Matata Pognon. C'est Sanga n'a jamais prononcé à ce sujet. Pourquoi vous vous êtes tu depuis tout ce temps? De pourquoi vous êtes tu, vous n'avez pas parlé le même langage avec vos alliés? Ben écoutez, je sais pas, bon, je comprends que vous aimez trop Délice Sanga, mais je vous rappelle que l'Envol est une institution dont je suis le porte-parole. Et moi, j'ai parlé plus d'une fois dans le média, je viens de le dire ici, que au premier jour des élections, Moïse Katumbi était déjà à 50% de voix, était largement devant que Tshisekedi. La fraude a commencé au deuxième jour des élections, jusqu'au septième jour. Nous l'avions dit, je me suis jamais caché de ça. Vous aimez bien le président Sanga, mais c'est très bien. Habituez-vous que cette institution qu'il conduit, il a un porte-parole. Et de sur quoi? Pendant la campagne, vous vous souviendrez que j'étais nommé porte-parole du candidat Sanga. La question maintenant de Matata Pognon. Aujourd'hui, on l'a vu avec monsieur l'informateur, Augustin Kabuya, il a été consulté. Comment vous interprétez cet acte-là aujourd'hui? Écoutez, l'informateur est nommé pour consulter toutes les forces qui sont au sein de l'Assemblée. Je dis bien toutes les forces qui sont au sein de l'Assemblée pour dégager une majorité. Mais le président Matata Pognon ou bien l'LGD étant une force au sein du Parlement, pourquoi pas aller voir l'informateur? Ils peuvent aller voir l'informateur sans problème. Il faut attendre les conclusions de l'informateur pour que... Ça ne vous dérange pas du tout. Mais écoutez, l'LGT est un parti politique dont je ne suis pas le porte-parole, je ne suis pas membre. Ils lèvent des options politiques librement. Il y a des questions pour lesquelles, moi, étant que responsable politique, je trouve inutile de polémiquer là-dessus. Non. C'est une force politique qui décide de prendre ses options. Non, vous avez ce sont créé ses une... options internes. Vous avez créé une plateforme qui soutenait M. Moïse Katumbi à la présidentielle. Nous sommes en politique. C'est pourquoi attention, je pose la question. En politique, de la plateforme. Les alliances ne sont pas éternelles. En politique, les alliances se font et se défendent. Ça ne vous dérange nous sommes, pas. Nous sommes en politique. Maintenant, un parti politique décide d'élever une option pour son avenir. Vous voulez que l'Envol vienne pour commenter et discuter sur une option politique qui ne concerne que la vie de ce parti politique. À mon avis, c'est une question qui relève de sphère privée, de l'LGT. Mais après, j'ai eu quelques informations. J'aurais appris que Matata Pognon serait le seul... aurait été le seul opposant consulté qui a décliné l'offre de la majorité. Ça reste Adolphe encore... Moussi, ça reste Adolphe Moussi, tu peux ça reste... bon, je n'ai pas l'information de Nouvel Élan. Je ne ferai pas l'avocat de Nouvel Élan ou encore le procureur pour en faire un procès. Moi, je vous dis les informations qui m'ont été remontées par certaines personnes de l'LGD, ils m'ont dit que Matata Pognon avait décliné l'offre de participer à la majorité. Mais quant à la consultation, comme force de l'opposition, ils sont libres d'y aller
ou de ne pas y aller. Ce n'est pas une faute constitutionnelle, ce n'est pas une faute politique, c'est une question de liberté. Merci, Mayama Ponomi, Outi Koleka, Bato Ebele, analyste politique, Pe, Bato Bazama Kassi, Naba question, Bazo Mouna, Bazo Tangandeti, opposition, Zo Koma de plus en plus faible. Et ce qu'il faut relober là, précisément, Nangambo Labino, en vol, Tomoni, tu enregistres moi bah départ et belé puis silence mon quoi après élection et puis bah tu belé bah lobby bah départ na bangou et ça parce que na en vol démocratie au bino bolo bah na bozo lo bah na télévision bozo lo bah na bah tonyon so démocratie et ça te kuna dictature car de quoi c'est ça on a décidé solo tolo kuta maman Naomi et ça na motomaye le moko ya France un penseur Aloba, la calomnie et la lâcheté vont souvent de pair. Ce sont les deux mamelles qui marchent souvent de pair. L'échec, très souvent, est orphelin, mais la réussite a mille pairs. Qui veut tuer son chien, l'accuse de la rage. Et sa posture, il y a bateau, responsabilité na bangote. Moi, je trouve ça incorrect que moi n'aya qu'au discuter. Je parle des questions de liberté. Je l'ai même dit pour ma tante Ponyo. Sur une question de liberté de Madame Naomi qui veut quitter Congo Buzz, il fait sa lettre de démission, il part. Elle est libre de partir. Nos compagnons de lutte avec qui nous avons passé des très beaux moments de lutte, on a lutté ensemble. Et des moments très difficiles. Ils ont par moments donné de leur temps et de leur énergie. Et parfois de leurs moyens financiers, matériels. Je respecte la lutte qu'ils ont passée avec nous. Et pour ce respect, nous l'envol, nous leur souhaitons bonne chance quand ils sont partis. Mais je tiens quand même à rappeler que l'envol a connu plusieurs vagues de défections. Ce n'est pas la première. À la sortie de la Sainte-Cour, à la mise en place du gouvernement Tshibala, on a connu des vagues de départ où beaucoup l'opinion signait parce que ceux qui étaient partis, c'était des personnes qui tenaient le fonctionnement du parti. Ils ont dit, c'est ça, on avait fini, l'envol, c'est fini. Mais aujourd'hui, on continue à parler envol. Il n'y a pas longtemps, en 2021, si je ne me trompe pas, on a connu des départs, s'il vous plaît, ministres et députés nationaux et provinciaux. Élu, s'il vous plaît, pour les comptes de l'envol. En 2021, il n'y a pas longtemps, une histoire récente. Ministre. Bah, on peut baptiser qui bino car on a dictature. J'arrive. Je viens de vous expliquer. Tantôt l'opposition, tantôt l'union sacrée, besoin de son opposition. Je viens de vous expliquer ce que dit. Ce penseur français, Pierrot José, il nous explique que la calomnie et la lâcheté marchent de pair. Il y a des personnes qui n'aiment pas s'assumer. Moi, je ne veux pas entrer dans ce débat. Ce qu'il faut retenir est que les départs, on en a connu. L'envol continue à vivre comme institution. Les hommes passent et les institutions restent. L'envol est là. Nous préparons même notre rentrée politique pour très bientôt. Nous allons l'annoncer, nous allons convoquer la presse. L'envol est une institution. Nous sommes heureux d'avoir reçu tout ça. Les députés qui ont été élus législature passée pour le compte de l'envol, ministres nommés qui jusqu'à aujourd'hui continuent à exercer ses fonctions, nous étions heureux de lutter avec eux. Ils ont décidé de partir et nous respectons leur départ, mais l'envol continue son bon nombre de chemins. Nous avons un projet à faire matérialiser. C'est le projet sur la refondation du Congo. Nous sommes focus là-dessus. Nous y réfléchissons parce que ce projet, c'est la planification de l'amélioration des conditions de vie des Congolais. Il est accusé d'être dictateur, la pensée unique au sein de votre parti politique. Est-ce que vous vivez la démocratie au sein de l'envol? Effectivement, que je ne sais pas, je n'ai pas suivi. J'ai très souvent entendu les gens qui me rencontrent. Je ne sais pas, lorsqu'on apporte ce genre d'accusation, quels sont les éléments qu'on amène. Moi, je peux vous dire que Déli Sessanga d'abord, si on traite Déli Sessanga d'un dictateur, ce n'est pas différent, cher Dan, de quelqu'un qui vient vous voir et vous dit « Dan, saviez-vous que le cardinal Ambongo était musulman ?» Voyez l'étonnement que vous faites en me regardant. C'est pratiquement du mépris.
Dire que Sesanga est un dictateur, c'est dire que le pape n'est pas catholique. Donc ce sont des choses qu'il ne faudrait même pas prendre en considération, c'est de mettre vraiment dans une poubelle des oubliettes. Délice Sanga ne peut pas instaurer la pensée unique, parce que lui-même c'est un fervent militant de liberté. Il est président éternel du parti. Mais nous venons d'un congrès. Ce n'est pas président éternel. Nous venons d'un congrès à Boma. Je crois que les gens oublient si vite. Nous venons d'un congrès à Boma où la candidature, la chaise de la présidence du parti était remise en jeu. Il n'y a eu que deux candidats. Il y avait Dedi Sesanga et Madame Colette. Madame Colette, qui était aussi candidate, qui a voulu être président du parti. Après vote, les militants du parti ont voté pour Dedi Sesanga. L'ont investi comme candidat président de la République pour un mandat encore de 5 ans. Ça, c'est un choix des militants, des congressistes. Moi, je ne peux pas ici refuser. Un jour viendra où peut-être Rodrigue Ramazani deviendra le président de l'Envol. Ce n'est pas exclu. Tout dépend des ambitions qu'on a, tout dépend des moyens que nous mettons pour nos ambitions. Donc, dire que Dedi Sesanga est un dictateur, c'est affirmer que le pape est un musulman. Merci beaucoup. Mokano, Mikano et Zomaka. Au moins, il y a un peu de temps pour le pipo, le Kambanga, le Mikano, Boko Zora, Mokano. Maman Naomi, et ça, le coup, au moins, il y a un exemple à CC pour toi comprendre. Et ça, na katia ndako, papa na maman Sokibali. Mikano nyoso bazwaka na chambre bayaka koyebisa forcément pas bana esika bana bali parce qu'il y a na mikano o ezali na ba niveau à décision en vol ezali na o babengi ba structure congrès et mokano mais ali pe na comité national o kumbami na secrétaire général bipa ewapi makanisi mingi et na ba onina ko so na mate makanisi mingi to discuter kasima to lever option na niveau à comité national soki na katia ndako. Moi, la nyonso a bandi que yambo ete baboti bazwa décision et sengeli bakende koluka na banan kasi ba banda ko sola na bango et ali moi compliqué même na ba bote na biso ça et makate bo ali ba responsable la famille responsable ba responsable bazara mama na tata ba vandi ba sololi ba bite pona makambo ya kelasi to chaki bana na ekolo yo ekolo to moni makambo ko tambola bien te par rapport à ba résultat. Toko change bango à école. Est-ce que pour changer moi dans la bango qui là, si bako changer au regard, un, y'a ba moye bali nango, deux, au regard, y'a oyo bango balingi ba pesa na moana, ba robi sa moana te yo vanda moni to yinto change ke la si yo lobi nengenini. Ça veut dire, ils allo kola to délégué pouvoir. N'a pas si exemple y'a pète, pour moni ba deba moussou nan ngaro salangote. N'a pas si exemple y'a pète boye, pour ba to ba comprendre que même na mboka, Bokoyebi sa président de la République, tena gouvernement, il y a une décision, il faut pas consulter non ba gouverneur. Merci beaucoup. Ba kozwa décision comme gouvernement national, décision ne singele s'appliquer na ba province nyonso. La question Yamboka. La question sécuritaire. Je pense qu'on va maintenant prendre la question sécuritaire. Nos amis, certains de nos compatriotes ont rejoint la rébellion. On va citer Corneille Nangaa, on va citer Jean-Jacques Mamba, Adam Chalouet notamment. Ils veulent dire, ils vont chasser la dictature, ce qu'ils appellent dictature du président Tshisekedi. Beaucoup de gens ont fait la comparaison avec leur départ dans la rébellion, avec ce que Dedi Sesanga a fait dans le passé. Il est un des cofondateurs du RCD, il a été avec le MLC de Jean-Pierre Bemba. Est-ce que ce n'est pas du pareil au même? C'est que l'AFC fait avec Nanga et c'est que Dedi Sesanga fait dans le passé avec, en étant dans certains mouvements rebelles. Est-ce que ce n'est pas la même chose? J'aimerais dire ceci. De toute évidence, la République démocratique du Congo aujourd'hui fait face à plusieurs menaces. Des menaces extérieures avec le M23, supplétif du Rwanda, appuyé par Paul Kagame, des menaces intérieures aussi, sur le plan sécuritaire. Aujourd'hui, l'Ituri est dans une situation compliquée. On parle beaucoup du Nord Kivu, on oublie l'Ituri, on oublie
aussi les Kwango juste à côté, ou les phénomènes Mobondo tient en haleine la situation, la vie de nos concitoyens qui vivent dans une situation sécuritaire très précaire. Ça, c'est une évidence aujourd'hui, il faut le dire, et que malheureusement, les options de politique publique en matière de défense levées par le pouvoir en place depuis 2021 n'apportent aucun résultat pour reconquérir la paix. Maintenant, est-ce que les départs des Nanga et consorts correspondent effectivement à ce qui était fait à l'époque? Vous savez, dans la plupart de cas, lorsqu'on parle de cas de ceux qui décident d'aller embrasser de voies extrêmes, on ne prend pas en compte la situation réelle de la conduite du pays. Parce que je l'ai dit au seuil de cette émission, que dans la plupart de cas, la violence que nous vivons sont en fait le reflet d'une autre violence faite au niveau interne. Qu'est-ce qui se passe? L'on condamne pas suffisamment ceux qui violent la Constitution. C'est une violence. Ceux qui brisent le pacte républicain, c'est une violence. Ceux qui violent la loi, c'est une violence. Ceux qui mettent en place un coup d'état électoral pour favoriser la fraude électorale font une violence à la démocratie. Je n'encourage pas ceux qui décident d'embrasser de voies extrêmes pour exprimer leur mécontentement vis-à-vis de ce qui se passe aujourd'hui avec Félix Tshisekedi et dans la conduite de la politique publique au pays, tant dans la maturation de notre démocratie, parce qu'aujourd'hui le pacte républicain est brisé. Dans cette émission, je l'ai encore dit qu'il y a beaucoup de Congolais qui ont perdu la foi en la démocratie. Je le dis. Vous savez pourquoi? Parce que les Congolais pensent, au vu de ce qui se sont passés avec les précédents cycles électoraux et ce qu'ils ont vécu avec ces coups d'État électoral qui maintient ces régimes en place, que la démocratie au Congo est une lettre morte. Est une lettre morte et qu'il est impossible de conquérir le pouvoir au Congo par de voies démocratiques. Vous comprenez ceux qui prennent les armes, parce que le pouvoir entre guillemets illégitime, c'est compréhensible que certains prennent les armes pour combattre cette illégitimité. C'est le comportement de ceux qui sont au pouvoir qui légitime cette façon de faire, que moi je condamne et que je n'encourage pas. Moi je condamne, je n'encourage pas. Mais violer la Constitution, violer les lois de la République, organiser un coup d'État électoral, fait en sorte que ceux qui disent, qui ne sont pas d'accord avec cette manière de faire, leur lutte chez certains Congolais qui ont aussi perdu leur foi à la démocratie, légitime cette façon de faire. Chose que moi j'ai dit, je répète, pour que je ne sois pas incompris, que moi, étant que républicain, je condamne, parce que moi, je ne suis pas prêt à aller prendre des armes pour revendiquer mes droits. Mais attention, je suis Rodrigue Ramazani, vous êtes Naomi Pila, vous êtes Dan Zeng, chacun a ses méthodes. Moi, ce que je veux demander ici, il est important de le savoir. Si on ne veut pas des coups d'État, il faut respecter la Constitution. Si vous ne voulez pas des coups d'État, il faut respecter les lois de la République. Si vous voulez stabiliser la démocratie, il faut respecter l'organisation des élections pour que les Congolais se choisissent leurs dirigeants et non de personnes qui s'imposent par un coup d'État électoral. Ils ne sont pas les premiers à faire ce qu'ils font. Peut-être qu'on ne sait pas. Peut-être que d'autres peuvent le rejoindre. Comment décourager à l'avenir ces élans-là de rejoindre les groupes armés qui deviennent de plus en plus historiques? Comment faire? Comment décourager? La meilleure manière de décourager, c'est de travailler pour la maturation de notre démocratie, pour le renforcement de nos institutions, pour avoir des institutions fortes et non de personnes fortes. Avoir des institutions fortes veut dire le respect strict de la Constitution. La Constitution est toute la Constitution, pas une partie de la Constitution, où l'on trouve de brèches pour valoriser les cumuls de mandats, où l'on trouve de brèches pour vouloir tripatouiller la Constitution jusqu'à changer le nombre de mandats. C'est ce qui en fait engendre des revendications extrêmes.
Délice Sanga propose aussi le changement de la constitution. Il a aussi proposé le changement de la constitution. Délice Sanga n'a jamais proposé le changement de la constitution. Délice Sanga a proposé la révision de la constitution. Notre constitution, je l'ai toujours dit, qu'il a de faiblesse, mais qu'il a de force. Nous avons pour la première fois en République démocratique du Congo, la constitution de 2006, qui a vécu plus longtemps et qui a été protégée par le peuple. Et je crois que cette constitution nous ressemble aujourd'hui. Nous devons l'améliorer et non le changer pour des besoins politiques en vue de proroger les mandats hors constitution et changer des républiques pour créer un nouveau parti-État et de créer un nouveau dictateur. Je ne sais pas si nos amis de l'IDP sont restés nostalgiques au mobutisme, parce qu'ils sont issus de ça, du mobutisme, nous le savons tous, mais la meilleure manière d'éviter tout ça, c'est un, avoir des institutions, travailler pour avoir des institutions fortes et travailler pour avoir une démocratie maturée. Et que malheureusement aujourd'hui, notre démocratie se fragilise de plus en plus à travers des coups d'État électoral, à travers de violations de textes conduisant le processus électoral. Nos institutions se fragilisent parce que les institutions, en lieu et place de servir le peuple congolais dans le cadre d'un service public amélioré, nos institutions se fragilisent de plus en plus. Et ça, tant que nous continuerons à y travailler, nous serons toujours exposés à un danger potentiel. Une partie a traître, qui peut le moléki, politicien, mouvement citoyen, au bazar qui soutenir Rwanda. Il faut nous na Kinshasa, mais est-ce que vous avez certaines des demandes sur base au bas et singuli bas sanctions moko ya makasi pour en décourager bande quoi na basi mamandouki et même na armée ndeko ministre de la défense à l'oba qui va lever moratoire pour la peine de mort pour na bateau ni sur base qu'au trahir mbokakon. Bon, encore cette affaire de lever le moratoire pour la peine de mort, moi d'abord je vais vous dire, moi je suis un rétentionniste, je suis pas un abolitionniste, hein. Pour moi la peine de mort doit être appliquée. Mais nous sommes maintenant dans quel contexte? Là je suis un responsable politique et je vous parle pour donner ma position sur une question. Juriste que je suis un rétentionniste. Pour moi la peine de mort doit être appliquée. Celui qui a tué, on doit lui ôter la vie. Quelqu'un me dira, écoutez, la vie humaine est sacrée, la propriété privée aussi est sacrée, mais cela n'empêche pas à l'État d'exproprier pour cause d'utilité publique. Donc, pour cause d'inquiétude, lorsqu'on a ôté la vie, moi je pense qu'il faut ôter la vie. Maintenant, politiquement, nous sommes dans une situation, dans un pays où le président de la République, le magistrat suprême, vous dit que la justice, elle est malade. Le président lui-même n'a pas confiance à la justice. Encore qu'il n'a pas travaillé pour ces 5 dernières années à améliorer le fonctionnement de ces justices en apportant de réformes. Bon, les seules réformes qu'ils imaginent aujourd'hui extraordinaires, c'est de prolonger le mandat d'un président de la République en vue de changer la Constitution. C'est ça l'objectif. Mais sur le plan de la justice, on posera la question à ce pouvoir. Ils vous diront qu'on a recruté des magistrats, on a fait ceci. Non, le recrutement de magistrats, c'est le fonctionnement quotidien d'une institution, de la justice, mais cela n'apporte pas des réformes fondamentales pour améliorer l'appareil judiciaire en soi. Donc nous sommes dans un pays où la justice est malade, on veut lever le moratoire pour favoriser la peine de mort. Je peux vous dire la main sur le cœur, cela déboucherait à des règlements de compte. C'est lui qui veut, parce que la justice est manipulée à souhait, le président de la République lui-même le reconnaît. Ce n'est pas Rodrigue Ramazani, c'est le président de la République qui reconnaît que la justice ne fait pas bien son travail, cette justice est manipulée, lui-même il est étonné. Donc on va finir par des règlements de compte où des caciques du régime, ceux qui détiennent l'appareil de l'État, voudront rendre de compte à des paisibles citoyens. Voilà. Pour moi, c'est une décision qui ne résoudra pas de problème. C'est de la farce, c'est du visuel. Ce qu'il faut faire, il faut une volonté politique manifeste pour renforcer l'indépendance de nos institutions, n'est-ce pas, le fonctionnement de nos institutions, avoir des institutions fortes, mais travailler aussi pour la maturation de notre démocratie. Ce sont les meilleures solutions, mais ces solutions-là dépendent d'une volonté politique manifeste pour améliorer la RDC est agressée dans ce contexte aussi. Ça serait quoi la recette de l'envol pour qu'on puisse mettre fin à l'insécurité?
Vous savez, dans la théorie de la guerre développée par Klaus, comment on l'appelle, un ancien général allemand, Clausewitz, les noms allemands sont souvent compliqués, il dit la guerre est un instrument. La guerre est un instrument à la disposition des politiques. La guerre est un instrument à la disposition des politiques. Et aussi, la guerre est une continuation de la politique autrement. Ce qui veut dire en réalité que c'est les politiques qui définissent les objectifs à atteindre de la guerre. J'insiste. C'est les politiques qui définissent quels sont les objectifs que nous voulons atteindre en faisant la guerre. Pour ce faire, il faut qu'il y ait une planification claire. Nous devons savoir quel est l'objectif que nous voulons atteindre et de l'autre côté avoir une planification. La situation que nous vivons aujourd'hui à l'est du pays nous fait croire, nous démontre à suffisance lorsque je fais la lecture de ce conflit depuis 2021, parce qu'il faut rappeler aux Congolais que ce que nous vivons avec le RDI et le M23 soutenu par le Rwanda est une résurgence. Parce que depuis 2013, cette affaire était close et le président de la République lui-même est passé aux aveux à plus de 4 reprises par la puissance de feu. Mais malheureusement, je suis peut-être un peu perplexe, on n'a jamais mis en place de politique pour avoir une paix durable. La question, ce n'est pas seulement de finir avec la paix, de finir avec la guerre, la question, c'est de stabiliser la paix. C'est ça la refondation du Congo. La refondation du Congo a apporté, nous on parlait de la reconquête de la paix. Parce que la paix s'est construite. La paix doit se construire dans la durée. Là, vous dans la réforme de l'armée. C'est la politique de l'ancien président Joseph Kabila qui n'a pas su maintenir cette paix. Joseph Kabila, Félix Tshisekedi. Parce qu'il y a par exemple, je peux vous dire, il y a des plans de réforme de l'armée qui partent de 2013 à 2025, qui jusqu'aujourd'hui n'est pas arrivé à son terme. Il faut avoir une armée professionnelle pour arriver à maintenir la paix. Les questions de la paix vont au-delà des questions de guerre. Ça touche aussi aux questions de la justice. Est-ce que notre justice pendant tout ce temps a été réformée pour donner des décisions qui mettent en confiance toute notre population? Nous, on parlait d'un package pour répondre directement à votre question. Pour reconquérir la paix de manière durable, il faut reformer notre système de sécurité. Reformer notre système de sécurité ne se limite pas qu'à l'armée et la police ainsi que le service d'intelligence. C'est ce que vous comptez faire en 6 mois, réformer le système sécuritaire. Laissez-moi finir. Je vous ai dit que sur cette question de 6 mois, il y avait une planification. C'était des questions de politique publique qui devaient être discutées à son temps. Aujourd'hui, nous disons, le plus important, c'est de construire cette paix de manière durable. Maintenant, Félix Tshisekedi nous démontre qu'il a, lui et son gouvernement... En combien de temps? Parce que vous critiquez ce que Tshisekedi fait, vos propositions ne sont pas visiblement très claires. En combien de temps comptez-vous sécuriser, réformer le système sécuritaire pour pacifier totalement la partie est de l'air? Pas simplement la partie est, mais tout le pays. Parce que nous avons 9 voisins, les menaces peuvent venir de partout. En combien de temps pensez-vous qu'on peut avoir une armée dissuasive qui fait peur à tous les 9 voisins? Écoutez, tout est question de volonté politique. Même les réformes, les 5 plans de réforme de l'armée qui n'ont pas abouti, c'est parce qu'il n'y avait aucune volonté politique manifeste. Je vous dis, il y a eu 5 plans de réforme de 2003 à ce jour qui n'ont jamais abouti parce qu'il n'y a pas eu de volonté politique manifeste de finir le plan de réforme. Donc je ne parle pas que de Kabila, je parle de la continuité de l'État. Jusqu'à Félix Tshisekedi, il y a un plan de réforme qui souffre de son application. Nous connaissons le recrutement sous Félix Tshisekedi, loi, il y a programmation militaire, faut pas confondre. Au moment où tant que la réforme, surtout dans les écoles réformistes, tant que la réforme, ils allaient toucher fonctionnement. Il y a institution pour rendre un mot crédible. Pour réformer fonctionnement, recrutement. Ceux qui vont recruter tous les lots dans Congo Buzz, est-ce que ça réforme? Bon, ils ont joué, ça, c'est que ça réforme. Et ça, fonctionnement normal, il y a entreprise. Il y a entreprise à médias.
mais qu'on réforme, qu'on bateau changer le lingue dans quoi ça là. Bisous Congo best sous car la télévision. Toko bakiselo ko yasika, toko longola biloko mususu, yango ba bengi réforme, changement ya fonctionnement, ya structure. Ezali objectif, yali bosso, zali ko rendre armée na biso professionnel. Et puis koko misango crédible na biso ya bat. Nous n'avons pas une armée professionnelle. Dans combien de temps on peut avoir une armée professionnelle? Écoutez, en tout cas, en suivant beaucoup d'experts, pour avoir une armée professionnelle, il faut faire ce travail pendant plus ou moins 3 ans. Plus ou moins 3 ans, on a une armée professionnelle. Maintenant, il y a des solutions. Maintenant, il y a des solutions à court terme. Juste qu'on revienne sur la question de 6 mois, là. Les 6 mois. Non. C'était quoi la recette? J'insiste encore. Expliquez-moi. Vous insistez sur une question auquel je vous ai déjà répondu parce qu'elle est en cours. Je vous ai dit, le président Moïse Katumbi avait fait une déclaration et il y avait une planification qui suivait. Et je vous rajoute encore, nous avons des solutions dans la refondation du Congo qui sont de court terme, à moyen terme ainsi qu'à long terme. Ce sont ces solutions-là. À court terme, nous avons la mise en place d'un brigade d'intervention ainsi de suite. Mais après, il y a aussi cette question de la MONUSCO. Parce qu'on n'en parle pas. Le gouvernement, nous, l'envol, on a toujours été contre le départ de la MONUSCO. Pourquoi? Parce que nous estimons qu'il y avait mieux à faire au lieu de faire des tâtonnements que le pouvoir en place a fait aujourd'hui. Il y avait mieux à faire avec la MONUSCO en changeant les plans d'engagement de la MONUSCO, en les rendant un peu plus souples en termes d'intervention, sur le terrain. Le gouvernement aurait dû travailler sur ça en lieu et place de faire les chantages au Conseil de sécurité des Nations Unies en faisant des menaces pour le départ de la MONUSCO. Deux, regardez le choix du gouvernement. Il veut mettre, la MONUSCO à côté. De l'autre côté, il travaille avec les EAC. Ce sont les mêmes solutions qui n'ont pas abouti. On a perdu plus de temps. On pouvait être efficace en travaillant sur le réaménagement du plan d'engagement. Non, malheureusement pour Nabisso, Félix Tshisekedi, Tilelo, Azo démontré Bissoté clairement. Tant sur le plan diplomatique que sur le plan opérationnel, quelle est la ligne qu'il veut atteindre? Parce que, je l'ai dit ici, la guerre, c'est un outil à disposition. Mais il faut trouver quel est le but, comment il veut y aller. Mais tout porte à croire que, heurement, tâtonnement et les kimingi, ils ont permettre que tout dans la perspective claire, na makambo ya nini, ya koulukape na est. Siko, awa ebisaki ba tout moins d'escarmouche. Yet, avec la moindre escarmouche. Les lois à lesquelles le business est sous la moindre escarmouche, parce que le contexte est changé pour permettre. Il y a un temps que le baba errement a raté la politique publique, ils ont coûté cher. La population n'a plus est. Nous comptabilisons plus de 2 millions de déplacés internes aujourd'hui, sans compter de morts. Selon l'envol, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il faut privilégier? La diplomatie ou la voie militaire? Pour nous, aujourd'hui, Félix Tshisekedi a démontré que sur le plan militaire, n'étant pas suffisamment préparé, il engage des mercenaires, il appelle l'EAC, il appelle la SADC, rien ne marche. Je crois que pour conquérir la paix, si ce mini-sommet de Luanda pourra avoir lieu un peu plus tôt pour permettre que nos compatriotes vivent en paix. Vous savez, lorsque vous n'avez pas vécu la guerre, laissez-moi finir. Oui. Lorsque vous n'avez jamais vécu la guerre, vous ne connaîtrez jamais la valeur de la paix. Ceux qui vivent à l'est du pays vous diront que tout ce dont ils ont besoin, ce n'est pas de l'aide humanitaire. Je sais qu'il y a une urgence humanitaire qui sonne à l'horizon, mais ils vous diront qu'ils ont besoin de la paix, de regagner là où ils habitent chaque jour. C'est ça qu'un responsable politique doit penser. Ça fait 2 ans que Félix Tshisekedi et son gouvernement sont incapables de ramener la paix malgré les multiples promesses et les moyens engagés. Nous avons engagé beaucoup de moyens pour retrouver la paix à l'est du pays, chose qui n'arrive toujours pas et ça devient inquiétant. Et moi j'estime, comme sur la voie militaire, M. Tshisekedi n'a pas pu et que lui-même aujourd'hui est favorable à négocier avec Paul Kagame, il n'a qu'à négocier avec Paul Kagame. Donc, parce que sur la solution, là, les Cambodja Est. Ils peuvent en découler ce qu'on a dénoncé dans le passé, notamment le mixage, le brassage. J'insiste encore. Non, celui qui a décidé d'aller négocier avec Kagame, ce n'est pas Rodrigue Ramazan, c'est Félix Tshisekedi.
Parce que sur la voie militaire, il n'a pas pu. Il nous a dit qu'il était prêt à être vent en guerre, mais aujourd'hui, il nous dit encore qu'il est prêt à mettre de côté ses intentions belliqueuses. Ça, ce n'est pas Rodrigue Ramazani, c'est le président de la République qui l'a dit. Maintenant, moi, en tant que responsable politique, j'ai une population qui est en train de mourir, ça fait 2 ans, des déplacés internes. J'ai appris encore aujourd'hui que ces succursales du Rwanda ont pris encore de l'essor. Ça devient dangereux. Pour mes concitoyens, ce que j'appelle de tous mes voeux aujourd'hui, c'est le retour de la paix. Pour que le peuple du Nord Kivu vive en paix. Ceux qui n'ont jamais vécu la guerre ne comprennent pas la valeur de la paix. Ndeko Rodrigue Ramazani to komina suka émission solo motuna langa ya suka formation en gouvernement ndengeni nozomo na penza 5 ans ezali koya ndeko Gustin Kabuyaza ko sala mosala pona ko tia en place équipe ko sunga tata mokambe ekolo na koko kisabongo vision na ye. Est-ce que 5 ans ezali solo ya espoir pona mboka Congo? 5 années à venir, il faut d'abord bato banik ba diriger ba ba défi tout ça nous confronter. Moi, ce qui m'importe, ce n'est pas 45, 6 membres, 36, 3. Non, moi, ce qui importe aujourd'hui, ce sont les défis à relever. Les défis à relever sont, c'est un, la paix sociale, l'amélioration des conditions de vie de mes concitoyens. Parce que va perdre le pouvoir d'achat dans mon makasi. Nalandi le lo ministre ya enseignement akobetara lisolo ya ba augmentation ya ba salaire alobi di boso ba enseignant bazala ki na 150 et quelques mille francs le lo ba komi na 400 000 journaliste pe atunye ke service sika wa soki totali to ya kalezala ki 90 soki totali to ya lelo zali 27 est-ce que zali amélioration to ba enseignant ba améliorer situation te ba régresser. Tout porte à croire que même les enseignants vont régresser parce qu'ils ont perdu leur pouvoir d'achat. Ngaina yo peut perdre leur pouvoir d'achat. Les travailleurs qui sont payés en francs congolais ont perdu leur pouvoir d'achat à près de plus de 40%. C'est énorme. C'est énorme. Ce qui importe aujourd'hui, malheureusement, Namboko Totalakaka, Toko Zorangonga, moi, mon souci est que Edzwangonga Mingite, et Salambango, Moto Bati, un formateur, va pécir responsabilité à Salambango, pour être gouvernement et côté en place, Baba Ndakusala Moussala, pour être relevé des défis majeurs au Yamboka. Mais tout porte à croire que Bande Konabiso Bazande n'a pouvoir le lot. Et là, comme Moko Bango, n'a quand même le président Sesak. Ghana et Tosa d'accord sur cette question, ils ont un sérieux problème de planification de leur politique publique. Ba politique publique, il y a populisme, il y a la Oyenge, le roi Bako Memara Pemboka na Oyenge, Soukanangoto Betarabe Moto, Namira Makwanza. Yango Lolo n'a quoi espérer. Pour mes concitoyens, que les choses vont s'améliorer. Pour Nabisso en vol, Nalobiango en interne, bah structure Nabisso, bah cadre, bah candidat, Bazana Katia réflexion. Et Tokole Kapena Bamedia n'a bien pas encore annoncé reprise effective. Il y a activité politique Nabiso de manière publique. Tokozonga pour que Tope Sabino Mokolo, Tope Ngape Media, Poteboy Banini, envoie la Kobanza pour la Mikolo au Ezali Koya. Mais pour l'instant, ce qui importe, Ezali Likamboya Kimia na STA Congo. Et Sengeli Tozala unis, il faut une cohésion nationale que malheureusement. Les leaderships de Félix Tshisekedi me semblent être incapables d'amener cette cohésion nationale. En interne, il faut reconnaître que cette cohésion est effritée et Bissomoko tant que nation, existence na Bissosali menacée. Est-ce que Bandeko Bali n'a pouvoir le lot, Bako se rendre compte na yango. Nous avons besoin d'une cohésion pour remporter cette guerre contre le Rwanda avec ses succursales. Est-ce que Félix Tshisekedi aujourd'hui est prêt à servir la nation au sein du prochain gouvernement? Ça peut se faire. Écoutez, pour l'instant, l'envol est en pleine réflexion sur plusieurs questions. L'envol donnera sa position, mais tout compte fait, je peux vous le garantir qu'aujourd'hui, l'envol est un parti de l'opposition. Face à l'opinion, elle est le Soukia Wandekodan. Merci beaucoup. Tozayaki Nandeko Rodrigue Ramazani, porte-parole, et envol, Matin Domingue Mwanamboka. Merci, Maman Pila. Tokutani prochainement, Nabino Bozayaki et Bele Kolanda Biso, Wotikala branché, na programme, Nabiso ya Congo Buzz Television. Au revoir.